Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous ai prévenu que je vais avoir ma collection de Goldorak. Donc, c'est épisode 3, façon tout simplement pour le déballage. Alors, voici comment c'est. D'accord, donc il y a tout dedans, pardon, désolé. Et bien sûr, ma lettre. Voilà, tout simplement. Donc, on va aller, hein, on va voir ça. Donc, c'est un petit déballage. C'est pas tous les jours que je fais montrer le déballage complet de ça. Parce que d'habitude, je déchire avant pour pas être emmerdé ici. Bon. Alors. Ah, voilà, c'est beau. Alors, je vous avais dit. 1, 2, 3. 4 DVD pour certains qui font les pouces à l'envers, là, faut être con. Voilà, tout simplement. Donc, normalement, je suis à la 7e collection qui est rangée ici. D'accord? Et là, j'ai plus 7. Donc, normalement, c'est le 8. Alors. Ah. D'accord, je vois, comme on dit, je vois. Donc, alors. Donc, je vais désolé, hein, je regarde, je vérifie quand même. Donc, vérifie bien. Non, là, c'est la collection 9. Là, c'est 9. Ah, voilà, collection 8. Voilà. Alors ça, c'est 8. Neuf. Dix avec Hidargos. Non, pardon, c'est pas Hidargos, c'est... Ah si, c'est Hidargos. Si, Hidargos. Et ah pardon, je me suis trompé. Ah. Putain, c'est long. Le 10 il est là. Voilà, le 10 c'est avec le petit bout. Avec le bonhomme. Disons celui qui les a accueillis pour la base. Mais bon, voilà. Le 10, désolé, hein. Et bien sûr, le 10 avec Minos. Voilà, je confonds Isargos et Minos, c'est dangereux ça. Et pourtant, j'avais déjà Minos. C'est marrant qu'il n'y a pas Isargos. Voilà. Voilà, tout simplement, là, les 4, là, les 4 volets. Toujours 4 épisodes. Alors, pourquoi j'ai ça? Ça veut dire en gros une semaine, 2 semaines, 3 semaines. 4 semaines passées. Pardon. Parce que tout simplement, c'est que normalement, il sortait toutes les semaines Goldorak. Donc moi, j'ai préféré d'avoir la collection rapidement avec moi, disons en un seul coup. Bien sûr, je suis plus court, donc je suis un peu plus long pour. Certains qui vont aller plus vite, il y en a d'autres, ils vont voir le machin. Bon, bref, moi j'ai choisi comme ça, j'ai voulu par prélèvement automatique, tout ça, et c'est plus simple, et au moins c'est facile, et basta. Donc voilà. Et donc, bien sûr, j'en ai pour un total à payer, parce que faut dire, hein.
Hein. C'est pas gratuit, la collection de Goldorak. Bon, pour certains, ça fait cher, mais je m'en contrefiche, hein, vous voyez. Donc, je m'en contrefiche totalement. Je m'en contrefiche totalement parce que ce que je veux, c'est ça. Pasta et point barre. Hop. Désolé si le micro il descend un peu plus vite. Bon, bref. H78, enfin, on s'en fout. C'est le prix que je cherche. Ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc 40 euros. D'accord? 39,99 € en gros. Mais 96, pardon. 39,96. Mais c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas. Ce que je voulais, c'était d'avoir comme ça. Donc il y en a qui l'ont eu plus vite, tant mieux pour eux. Et c'est tout. Moi, c'est ce que je voulais. Je l'ai fait. Donc voilà. Tout simplement. Moi, je suis content. J'ai Goldorak. Voilà, c'est. Donc désolé pour confondre Minos avec avec Hidargos. C'est un peu, je sais pas pourquoi je les confonds ces deux-là, et pourtant c'est pas les mêmes personnages. Donc voilà, je suis un peu content là-dedans. Donc c'est mon but à moi, c'est d'avoir la collection de Goldorak. Donc je suis un grand fan de Goldorak, j'ai Albator, j'ai toute la collection d'Albator, et j'ai toute la et ben, je risque de terminer Goldorak, après c'est fini. Et après, ben, je vais m'attaquer, si tout va bien, à la collection d'un dessin animé qui a très très bien cartonné. Il y en a même deux qui m'intéressent aussi. C'est Candy Neige Andrée, la collection de Candy. Et surtout les collections de Ulysse 31. Voilà, ces deux collections-là. Je ne vais pas passer par Hachette, d'accord? Je vais passer directement par AB, tout simplement. Comme ça, je vais passer directement par eux. Parce que là, je les ai achetés comme ça. Mais parce que c'était un petit truc sympa que j'ai voulu essayer, prouver. Et vous savez, aussi, j'ai fait une collection qui est importante, que j'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas pour ceux-là s'ils le suivent, s'ils l'ont suivi à une certaine époque. C'est la collection de Western. Alors là, la collection de Western, j'ai pas pu faire le deuxième volet parce que. Oh! C'est les femmes, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais cette fois-ci, moi, je me suis mis à dire non, stop, c'est bon, je veux mes collections. En plus, ces collections vont repartir bientôt chez moi, donc définitivement. Donc, qui est un projet prévu, qui est prévu bientôt. Donc, normalement, si tout va bien, je vais prendre des congés pendant 2 semaines. Donc 2 semaines, donc je vais les laisser tous là-bas. Donc il y aura beaucoup de dessins animés, beaucoup de films qui vont être rangés proprement parce que là-bas on a un lecteur DVD de chez Samsung, bien sûr. Hey, faut pas croire. Donc j'ai du matériel, j'ai une télé, j'ai tout ça qui est là-bas, donc je dépose tout là-bas. Voilà. Donc parce qu'à un certain moment, j'ai des choses à faire là-bas. Donc j'ai un gros projet à faire là-bas. Là-bas, ça ne sera pas diffusé bien sûr sur YouTube. Il y aura sa chaîne, mais bon, tout simplement que la chaîne va pas être gérée par moi. Tout simplement. Voilà. Désolé, hein, Monsieur veut descendre. Donc Monsieur veut descendre. Donc c'est pour ça. Voilà. Monsieur veut descendre. Donc voilà, tout simplement ce genre de truc. Donc sera fait fur et à mesure, tout simplement.
Donc j'espère que ça va aller. Et après, il y aura d'autres dessins animés que je vous présenterai au fur et à mesure comme ça. La prochaine fois, je ne sais pas si je voulais présenter Albator, mais bon, la prochaine fois, je vous présenterai Albator 84 et Albator 78, donc les deux, donc 78-84, pardon. Donc je vous présenterai tout ça à fur et à mesure, voilà, parce que j'ai toute une grosse collection. La collection de western, elle m'en manque une grosse partie. Grosse partie, j'ai pas eu ce genre de truc-là. Voilà, j'ai pas eu ce genre de truc-là. Normalement, il aurait dû y avoir ça. Comme moi, j'ai laissé tomber. Et là, j'ai vu que ça vaut le coup. Et tout simplement, pourquoi pas. Voyez, c'est déjà pas mal quand même. Parce que j'ai quand même. Hein, on va dire franchement. Voilà ce que j'ai. C'est déjà pas mal. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Voilà, vous voyez, c'est déjà pas mal. Hein. Et alors, vous imaginez, vous êtes quatre autres, etc. Donc, voilà, il y a Minos, il y a tout ça. Donc, voilà. Donc, Emina, etc. Voilà, c'est vraiment une collection que je trouve pas mal. Franchement, je vous dis la vérité. Hein. C'est une collection vraiment pas mal. Et j'ai beaucoup aimé. Hein, j'aimais ben, avec Alcorac, aussi les dessins de Goldorak, mais c'est marrant qu'il n'y a pas Phénicia. Voilà. Peut-être dans les autres, il aura. Voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, ouais, des petits dessins. Voilà. Donc tout ça. Voilà. Mais bon. C'est une petite collection qui vaut assez cher à la base. Avec tous ces dessins-là comme ça. Donc, pour celui qui est fan de Goldorak, tout ça, bah, tant mieux pour lui, hein, comme moi. Mais bon, voilà, c'est juste tout simplement une envie de se rendre un peu l'hommage aux vrais dessins animés comparés d'aujourd'hui. Hein, parce qu'il y a des dessins animés, franchement, aujourd'hui, on pense à des enfants, c'est très bien. C'est même très très bien, mais les dessins animés ne sont plus à la hauteur ce qu'ils le sont. Alors moi, j'ai regardé tout simplement le dessin animé Dragon Ball, et même j'avais une vingtaine d'années, une vingtaine, 25, 30 ans, je regardais quand même les dessins animés parce que je suis un passionné du dessin animé. Et je serai toujours passionné du dessin animé. Mais il y a des dessins animés il n'y a plus la hauteur du dessin animé qu'on a connu aujourd'hui, qu'on a connu à l'époque, tout simplement. L'hauteur du dessin animé n'est plus à. Maintenant, on est trop informatique, donc voilà. C'est ça le hic du dessin animé. À l'époque, le dessin animé était crayonné. Donc, vous voyez la différence entre crayon et numérique. C'est pas le même système. Désolé, je me cogne le nez sur le micro. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous ai présenté Goldorak. Voilà, c'est une grande. Désolé pour les voilà, ça m'embête aussi, mais bon, c'est tout simple. Si ça vous a plu, Goldorak, bah écoutez, moi je vous conseille de voir une chaîne. Une chaîne, là je vous l'autorise de regarder. Vous allez voir le bon dessin animé qu'il y a. Et je le félicite, je donne un coup de chapeau parce que je suis abonné chez lui. Donc, je suis abonné chez lui et je lui fais un coup de chapeau à lui parce que je lui félicite pour rediffuser Goldorak sur YouTube. Franchement, félicitations à toi et surtout bonne continuation. Et franchement, merci pour nous faire plaisir de regarder Goldorak. J'ai regardé le premier, le deuxième, 3, 4, 5 jusqu'au 15e épisode. Après, j'ai eu le 22, le 24, 26, 28, 30, 31, 52, 53. Alors, bon, il n'a pas tout, mais je trouve que c'est très bien. Il a fait ça. Moi, je trouve qu'il a fait ça. C'est très, très bien. Et c'est très, très généreux de sa part de mettre Goldorak sur YouTube pour faire plaisir et refaire découvrir Goldorak, qu'il soit jeune ou pas jeune, tout simplement. Allez, je vous remercie. À la prochaine vidéo.
À la prochaine vidéo. Hop. Ah, ça y est. Ah, pour moi. Donc, ah. J'arrive. Voilà la prochaine vidéo et surtout merci, merci, merci pour ceux qui postent Goldorak parce que je crois qu'il doit en avoir deux ou trois ou quatre personnes. Je parle en français, hein, du Goldorak en français, pas du Goldorak en japonais. Je ne suis pas contre, mais je n'ai pas appris le japonais. Donc voilà, je vous remercie. Bye bye. Et surtout, merci, bonne continuation. Bye bye à tous et surtout, à mon petit pouce, ça me fera plaisir. Merci.